Bonjour, je vous présente le jeu de TOC. Alors, le jeu de TOC, c'est le jeu de petits chevaux canadiens. Alors, il n'existe pas de règles précises pour ce jeu. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs règles de jeu. Donc là, moi, je vais vous montrer une règle avec un plateau pour deux à six joueurs. Donc, vous pourriez jouer individuellement. Ou vous pouvez jouer en équipe de 2 contre 2 ou 3 contre 3. Voire 4 contre 4 lorsqu'on est 8 joueurs, mais là il faudrait un autre plateau. Comment est-ce qu'on joue Alors d'abord, quel est le but du jeu C'est être le premier joueur ou équipe à avoir complété le parcours en acheminant ses pions dans sa réserve. Donc les réserves c'est là, vous voyez? Le vert est avec le bleu. Donc la réserve verte ici. La réserve bleue. Dès que les 4 pions verts et les 4 pions bleus sont dans la réserve. Avant que les autres ne le soient, eh bien, c'est gagné. Donc ici, on aurait Tintin avec Roger, Anne avec Fanfan et Bibou avec Manon. Alors c'est important parce que lorsqu'on a rentré ces quatre pions dans sa réserve, eh bien, on peut jouer les pions de son partenaire pour les rentrer dans la réserve, car il faut que les huit pions soient rentrés. Alors ça, je joue avec un jeu de cartes de 52 ou 54 car vous pouvez prendre les jokers ou ne pas les prendre alors si vous les prenez il y a euh, au niveau de la distribution eh bien euh, une petite euh, chose à savoir et puis si vous ne les prenez pas eh bien il n'y a pas de problème concernant la distribution donc si vous les prenez eh bien c'est qu'à la troisième donne il vous restera deux cartes que vous serez obligé de mélanger avec les autres cartes, hein, que si vous ne jouez pas avec les jokers, eh bien vous n'aurez pas ce problème-là. Alors, bien entendu, il y a des cases spéciales, les cases 18, qui sont les cases de départ des joueurs. Donc les jaunes partiraient sur le 18, ici les verts, d'accord. Donc les jaunes, eh bien, ce serait là leur réserve. Et les rouges ici. Ensuite, déroulement de la partie. On a choisi ses pions. Et ensuite, eh bien, on va distribuer les cartes. Alors, pour la distribution des cartes, c'est pareil. Tout 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 le monde ne joue pas au que de la même manière. Vous prenez un donneur ici. Alors imaginons que ce soit Roger le donneur. Alors ce sera Abibout de commencer. C'est le joueur à la gauche qui commence. On va dans le sens des aiguilles de la montre. Donc Roger va distribuer cinq cartes à chaque joueur. Et puis ensuite il distribuera quatre cartes à chaque joueur. Lorsque les cinq cartes seront terminées. Ensuite, encore 4 cartes. Hein Donc, si on est 2 joueurs, c'est 2 tours de 5 cartes et 4 tours de 4 cartes. Si on est 3 joueurs, 1 tour de 5 cartes et 3 tours de 4 cartes et on jettera une carte. Si on est 4 joueurs, on joue 1 tour de 5 cartes et 2 tours de 4 cartes. Si on est 5 joueurs, 2 tours de 5 cartes et on jette les dernières cartes. Et ici, on va faire 2 tours de 4 cartes et on va jeter les 4 dernières. Donc, Roger va distribuer quatre cartes à Bibou, quatre cartes à Fonfon, quatre cartes à Tintin, quatre cartes à Manon, quatre cartes à Anne, et en prendre quatre. Et ensuite, les cartes, on met le reste à côté, on n'utilisera pas jusqu'à ce que toutes les cartes aient été posées. Alors, dans une autre règle, eh bien, en fait, on distribue cinq cartes, ou quatre cartes et les autres cartes on les met au milieu, enfin on les met pas au milieu, on les met à côté et elles serviront de talons. C'est-à-dire que dès que je pose une carte, j'en retire une. Bon là, je vais vous montrer la version où en fait on distribue quatre cartes et on joue ces quatre cartes et ensuite, eh bien, quand toutes les cartes auront été jouées par tous les joueurs, on en distribuera quatre. Donc ici, on distribuera 4 cartes. Donc Roger distribue 4 cartes à Bibou. ensuite il en donne 4 à Fanfan, ensuite il en donne 4. Alors vous pouvez soit les distribuer une par une, soit les distribuer... Ça, c'est à vous de décider. Et il s'en donne 4. Voilà. Et les autres cartes, on les met ici. Alors là, on joue avec les jokers. Donc ensuite, les joueurs vont devoir échanger une de leurs cartes avec leur partenaire. Alors bien entendu, avant d'échanger, il faut connaître la valeur et surtout à quoi servent les cartes, parce qu'ici, on ne joue pas avec un dé. Donc hein, ici, Bibou devrait échanger une carte avec Manon et Manon une carte avec Bibou. Alors maintenant je vais vous expliquer la valeur des cartes. On a tout d'abord la carte As. On a l'As. Alors l'As, il permet de sortir un pion de sa réserve. C'est-à-dire que dès que je fais un As, hop, je peux sortir mon pion. Si je suis ici et que j'ai un as, eh bien, il peut me servir à avancer d'une case. Et si, si je suis ici et que je fais un as, eh bien, il me permet de rentrer dans le centre du jeu. Alors là, je vous montre la version à six joueurs. Hein. Donc, qui n'est pas forcément la même que celle lorsqu'on a un plateau de quatre joueurs. Et, ça permet aussi de sortir du centre du jeu. On a le roi. Donc le roi, alors peu importe la couleur de l'as, hein, peu importe la couleur du roi, hein, les couleurs ne sont pas importantes. Donc le roi, il permet aussi de sortir un pion de la réserve. Si je fais un roi, je peux sortir. Par contre, il avance de 13 cases. Donc là, il irait sur le 13. S'il était ici. Hein. Bien entendu, s'il est sur le 8, il avance de 13, hein, de 13 cases. Et il permet d'entrer dans le centre du jeu. Et il permet de sortir du centre du jeu. Le valet. Le valet. Alors, le roi permet aussi de manger tous les pions qui se trouveraient. Sur son passage. Alors, quand je vous ai parlé tout à l'heure du centre du jeu, eh bien, c'est pour utiliser un raccourci. Le centre du jeu, c'est celle qui est située ici, là, dans le centre. Donc, pour y entrer ou en ressortir, il faut jeter un 2, un roi ou un as. Hein, C'est complètement différent du jeu du toc, quand vous jouez avec un plateau de quatre joueurs. Hein. Donc, l'as, eh bien, il vous permet d'entrer dans le centre du jeu et de ressortir du centre du jeu. Alors, bien entendu, quand vous rentrez dans le centre du jeu, vous avez vu que vous avez plusieurs sorties. Hein, donc, on prend toujours celle qui nous arrange le plus. Donc, l'as et le roi. Le permettent. Donc, le roi, on peut l'avancer de 13 cases et quand il avance, il mange tout sur son passage. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un pion blanc qui est ici et que j'ai un pion bleu qui est ici et que je pose un roi, eh bien, je vais me rendre sur la case 13 et je vais reprendre ces pions-là qui vont retourner. Chez eux. Le valet, il permet de changer de place avec n'importe quel pion qui soit en jeu. À part avec un pion qui serait sur sa case de départ. Alors, imaginons, on a un pion bleu ici, sur la case de départ. Ici, on a un pion rouge qui se retrouve ici. Moi, j'ai les jaunes et je suis ici. Par exemple, sur le 8. Eh bien, je pose, hein, c'est à Roger de jouer. Roger pose le valet. Et il va pouvoir échanger avec n'importe quel pion. Donc il va prendre le pion rouge qu'il va le mettre à sa place et se mettre à la place du pion rouge. Donc là, vous voyez qu'il est proche de l'arrivée. Et le valet permet d'avancer de 11 cases. Alors bien entendu, vous choisissez à chaque fois une des possibilités que la carte donne. Alors on a ensuite la carte 7. Donc si un joueur pose un 7, eh bien cette carte peut être jouée sur deux pions. Alors on imagine par exemple qu'ici je sois là et que j'ai un autre pion qui soit là, et eh bien 1, 2, 3, ce qui me permet d'être devant ma maison et de m'arrêter, et avec l'autre, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a le 4. Alors, la carte de valeur, 4. Alors, elle, elle nous fait reculer de 4 cas. Si je fais un 4, eh bien, je vais reculer. Alors, si je suis, par exemple, ici avec mon pion, hein, je viens de le sortir le tour d'avant, eh bien, 1, 2, 3, 4, je peux reculer de manière à être ensuite devant la maison. Et je peux aussi, si je suis là, par exemple, eh bien, 1, 1, 2, 3, 4, je recule à la place du rouge que je renvoie chez lui. Car lorsqu'on arrive sur la case où il y a un autre pion, eh bien on peut le renvoyer chez lui. Alors à l'exception des pions qui se trouvent sur la case 18, c'est-à-dire lorsqu'ils sortent, hein, un pion qui vient de sortir, alors pas un pion qui passe, hein, mais un pion qui vient de sortir ne peut jamais être déplacé et on ne peut pas non plus le dépasser. La carte de valeur 2. La carte de valeur 2, alors elle permet d'entrer dans le centre du jeu tout comme le roi est là, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait un 2 et que je suis là par exemple, eh bien je peux rentrer dans la case centrale. Si je refais un 2, je peux ressortir de la case centrale et elle permet sinon si je suis sur le plateau d'avancer de deux cases 1 2 la dame la dame elle elle va permettre d'avancer de 12 cases donc lorsque vous avez une dame eh bien vous pouvez avancer de 12 cases. Donc, si vous êtes sur le 12, hein, vous avancez. 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cases. Donc, tout à l'heure, hein, je vous ai parlé du 4. Hein, effectivement, ce que j'ai peut-être omis de vous dire, c'est que si je suis ici, 1, 2, 3, 4, je ne hein, peux pas faire 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas faire ça. Hein, quand on recule, on doit reculer sur le plateau. Alors, la carte. Qui est encore. qui permet encore de faire quelque chose. Même si dans ce, cette règle à 6 joueurs, et bien normalement on ne l'applique pas. Hein, on n'a que l'As, le Roi, le Valet, le 7, le 4, le 2 et la Dame qui permettent de faire des actions. On peut, si on se met d'accord avec les autres joueurs, prendre la carte 5 qui dans la règle du toc vous permet de d'avancer un pion adverse donc imaginons par exemple que moi je sois jaune un hein, roger joue le 5 le bleu ici est pratiquement rentré chez lui Eh bien roger pourrait très bien faire 1 2 3 4 5 et comme le pion est passé ici eh bien, le joueur est obligé, un joueur bleu sera obligé de refaire tout le tour. Donc, comme je vous l'ai dit, quand un pion sort, alors imaginons, je joue le 1 ou le roi hein, ou alors voilà, maintenant je joue le 1. Elle sort ici, et eh bien ce pion-là ne pourra pas passer par-dessus et ne pourra pas l'enlever. Tant que ce pion-là reste sur la case ici, alors bien entendu, hein, quand il y a encore trois pions, c'est pas valable hein. Bon, par exemple, hop, ces autres pions seraient ici. Donc, il peut très bien rester ici puisqu'il est sorti et qu'il ne l'a jamais bougé. Et de toute façon, c'est les bleus la case d'arrivée ici. Donc, on sait qu'il est au départ. Eh bien, dans ce cas-là, lui peut faire blocage pour tous les autres pions qui arriveraient. Alors, la seule manière de le débloquer, de le débloquer, pardon. Eh bien, ce serait qu'un joueur prenne un 5. Pour l'obliger à quitter. Imaginons qu'on ait un roi ici. Ben, le roi peut avancer de 13, mais il ne pourrait pas parce qu'il n'a pas le droit de manger. Ce pion reste inviolable lorsqu'il sort. La seule manière de le faire bouger, c'est qu'un adversaire tire un 5 pour l'obliger à s'en aller. Alors, lorsqu'un joueur peut jouer, il est obligé de le faire, même s'il doit manger l'un de ses propres pions ou celui d'un coéquipier. Eh oui, si un joueur a un roi et qu'il a un pion, hein, le joueur est ici, alors par exemple, on est dans cette configuration-là. Il est ici. Ce joueur-là, alors, n'a pas le choix, parce que tous ses pions sont. Imaginons que ses pions ne sont pas trop loin ici de la maison. Bon, ben, il est obligé. Alors, il ne va pas faire 13. S'il fait 13, il dépasse. Puis là, de toute façon, on ne peut pas passer parce qu'il a un pion. Pardon, si là on peut passer, il points pas inviolable puisque c'est la maison des jaunes. Eh bien, le joueur sera obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et aller 13 cases plus loin. Sauf que comme il serait 13 cases plus loin, je ne sais pas si je l'ai mis au bon endroit, hein, les cases sont tellement petites, et eh bien là, tous les pions qui sont sur son passage seraient mangés et devraient retourner chez eux. Alors. Chaque joueur doit à son tour de jeu jeter une carte. Si il ne peut pas jouer avec une des cartes qu'il a en main, eh bien tant pis. Alors, il peut aider son coéquipier à faire de même. Quand c'est à son tour de jeu, à condition qu'il ait rentré tous ses pions, par exemple si Roger avait rentré tous ses pions, eh bien à son tour de jeu, il pourrait jouer une carte et jouer un des pions de Tintin. Alors attention, on n'a pas le droit d'échanger verbalement hein, pour établir une stratégie. Donc, les cases spéciales, je les rappelle, sont les cases numéro 18, les cases de départ, où lorsqu'un pion sort, il est inviolable tant qu'il y reste. Pour le faire sortir, on prend un 5. La case numéro 7, Lorsque, par exemple, imaginons qu'ici, c'est Manon qui soit sur la 7 et c'est à son tour de jouer. Eh bien, elle peut l'avancer dans le centre du jeu. Ici. Mais pour ce faire, il va falloir qu'elle mette un 2, un roi ou un as. Alors, les jokers, ils servent aussi, hein, lorsqu'on les prend, à sortir. Ils servent aussi, hein, les jokers, à sortir comme le 1 et le roi. Hein, quand vous voulez sortir hein, de votre camp, vous pouvez faire un as, un roi ou un joker. Si vous les utilisez. Alors bien entendu, hein, un pion ici, s'il y en a un autre qui vient prendre sa place, eh bien celui-ci retourne au départ. Bon ça, c'est à vous de vous mettre euh, d'accord au début de partie. D Accepter qu'il y ait plusieurs pions au centre ou alors de dire, eh bien, euh, non, non, moi, je suis... Euh... Euh, non, non, moi, je veux pas, je veux qu'il y en ait qu'un, mais pas qu'il y en ait plusieurs. Alors, toutes les autres cartes hein, que je n'ai pas euh, mentionnées, là, j'ai mentionné As, Roi, Balais, 7, 4, 2 et Dame. Et si... Vous euh, le voulez, vous prenez le 5 aussi hein, dans cette deuxième règle. Et bien, toutes les zones gardent leur valeur. Hein. Si vous avez un 9, vous avancez de 9. Si vous avez un 8, vous avancez de 8. Si vous avez un 3, vous avancez de 3. Euh, si vous avez un 6, vous avancez de 6. Et si vous avez un 10, vous avancez de 10. Alors, comme il existe une variante avec le 10, vous pouvez le prendre aussi ici. Hein. Le 10, vous avancez de 10 cases, et en fait, euh, vous empêchez le joueur suivant de jouer. C'est-à-dire que si vous posez un 10, vous avancez de 10 cases, et vous empêchez le joueur qui vous suit pour jouer, de jouer. Alors, le joker, lui, il avance de 18 cases, hein, sans manger tout sur son passage. Alors, on peut sauter par-dessus les autres pions, hein. Mais par contre, il permet aussi de rejouer. Hein, si je joue un joker, eh j'avance de 18 cases et je peux rejouer. Voilà, c'est complètement différent du, de la version A4. Mais c'est intéressant. Donc ensuite, après, ben, il faut se mettre d'accord parce que vous aurez peut-être joué au toc, d'autres auront joué au toc et vous n'aurez pas les mêmes règles. Alors l'important, c'est au départ de bien se mettre d'accord. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors je ne fais pas une démonstration de partie parce que ce serait trop long. Euh, vous pouvez aller sur BGA, hein, euh, Ball Game Arena, pour euh, jouer. Alors euh, on joue à 4, hein, c'est pas un plateau de 6. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés qui nous suivent. Et puis, à bien. と。